Si pour certains riverains de la capitale gabonaise, Libreville, les heures indiquées par la mairie pour le dépôt des ordures ménagères ne représentent aucune difficulté pour eux, les autres ont une toute autre appréhension. Selon un arrêté pris par la mairie de Libreville, les déchets sont obligatoirement déposés dans les bacs ou bennes à ordures dans les points d'apport volontaire en abrégé PVA ou tout autre lieu indiqué par les pouvoirs publics tous les jours de 18h à 21h. Ce que nous demandons aux populations, c'est déjà commencer par respecter les horaires des dépôts des déchets. Donc, cette plage horaire qui part de 18 à 21 heures, de bien conditionner les déchets dans des sacs poubelles pour éviter la pollution visuelle et nous faciliter la tâche pendant la collecte. Il faut également demander aux populations de consommer utile et de bien apprendre à gérer les déchets, d'éviter les dépôts intempestifs. Ce n'est pas parce que on a produit des déchets qu'on doit systématiquement les sortir chaque jour ou à chaque heure. En entamant son opération de restauration de l'ordre urbain qui a débuté le 17 janvier dernier, le maire du 2e arrondissement de Libreville revient sur les sanctions encourues par toute personne en infraction. Il est prévu dans cette disposition, prenons le cas du citoyen que vous êtes, que je suis, propriétaire d'un espace loti, de l'entretenir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi bien vous balayez l'intérieur de votre maison que vous balayez votre cour, si votre terrain n'est pas clôturé, même s'il est clôturé, devant votre barrière, devant votre lotissement, vous devez l'entretenir. Il doit être dans le même état que l'intérieur de votre concession. Voilà par exemple une disposition. Et si vous ne la respectez pas, il y a des dispositions dans ces différents articles arrêtés qui donnent droit aux collectivités locales de sévir. Une fois, deux fois, si vous ne vous respectez pas, ben, c'est une sanction qui tombe, qui part de 500 à 50 000. Les populations sont donc invitées à se conformer aux instructions données par les agents municipaux afin de redonner à la commune de Libreville son image d'antan.